comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really worry about it. Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 12 de notre mode carrière sur FIFA 15 avec l'AC Milan. Donc, dans la dernière vidéo, on avait battu 2-1 l'Udinese, on avait démonté l'Inter de Milan 2-0 et on avait fait match nul face à Sampdoria. Et donc dans cette vidéo, on aura un match contre Genoa, on aura un match contre Naples et un match contre l'AS Roma. Et les amis, on va faire cet épisode et donc dans deux semaines. La semaine prochaine, on aura le dernier épisode de notre première saison, parce que je pense qu'on va en faire deux. On va faire deux saisons, et je pense qu'on va arrêter, je pense qu'après FIFA 16 sera sorti. Je pense faire deux saisons, j'ai noté un peu les joueurs que vous voulez que je prenne, comme Scuffet, que j'ai en prêt avec option d'achat. Je pense prendre Scuffet en remplaçant, après changer quelques joueurs, comme les papis, hein, virer les papis. Comme vous devez savoir. Donc en termes de classement, on va voir où on est. Donc ok, on a une journée d'avance sur Juventus. On a 63 points. Ok d'accord. On va essayer d'être tendu entre l'Inter et nous. On va essayer d'être deuxième, ça serait bien. Bon, premier c'est un peu foutu. Hein. Si vous savez. Alors, 3 jours de repos. Aïe. On va devoir faire tourner. Ça c'est sûr. Alors, comme ceci, ils vont jouer comme cela. Hop là. Alors Reus, il va sortir, on va faire entrer Kishna. Montolivo. Alors, Imbula, Van Ginkel, vient par ici, Mkoko. Poli pour Johansson. Abatté des Chilio. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah ouais, d'accord, je vois la connerie que j'ai faite. Ouais, on mettra... Non, on mettra... Putain, il commence à faire du bruit, mon chat, j'ai pas aimé ça. Il commence à jouer avec un petit jouet, mais non. Voilà, la défense un peu puissante. Ouais, je pense qu'on va partir comme ça, les gars. Et on verra par la suite. Bon, les amis, c'est parti donc pour le premier match de la vidéo. Et donc pour le premier match de la vidéo, Milan accueille donc à domicile Genoa. Un match, pourrait pas dire important, mais il faut quand même essayer de gratter un maximum de points. On peut un peu voir le classement. On est deuxième, le Genoa est onzième, donc voilà, on est largement au-dessus d'eux. La première action arrivera donc pour Genoa à la deuxième minute avec un corner. La tête, heureusement pour nous, passe à côté. Wickham, Johnson qui avait une occasion, mais malheureusement il se fait piquer la balle. Oh, pour avoir une petite faute, même un petit accident, voilà, il a sauté, il est mal tombé, et puis voilà, il s'est blessé, c'est la vie. Donc Kishna qui va essayer de faire son petit rodéo magique, avec quelques petits gestes techniques, et là le petit placé pied gauche, lucarne, petit filet opposé, et donc c'est le 1-0 à la 59e minute, il va avoir une occasion, heureusement pour nous le gardien était à la parade, on va avoir aussi un corner à la 73e minute, mais le gardien était dessus. Niang qui va balancer pour Johnson. Johnson qui va une fois balancer pour Montolivo. Mais Montolivo qui loupe le cadre. Ça aurait pu faire le 2-0. Et là, une petite action de la part de Genoa. Un petit centre. La reprise de volée magnifique. Et l'égalisation à la 84e minute. Pour dire que j'étais deg à ce moment-là. Et la dernière action sera pour nous avec Fernando Torres. Qui essaye de faire un petit gris-gris. Qui frappe, mais le gardien a arrêté. Et donc ce match se finit sur un score de 1 partout. Ah, j'ai mal joué, putain, j'ai putain de mal joué. Oh, mama, putain. Au moment où je peux me prendre le but, c'est au moment où j'ouvre ma gueule et je lui dis « Ouais, il y a 15-0, il faut faire attention », et là, bam, me prend le but. Oh. Leur frappe est belle comparé à la mienne, moi j'ai juste fait un tout droit pour marquer. Enfin, décontenancé Naples, mais voilà quoi, putain. Ça va recommencer comme dans le dernier épisode, on va faire match nul, on a fait match nul face à eux. Et là, on va démonter tout le reste. Ça, c'est chiant. Rapport mensuel. Oh putain, blessé à l'entraînement. Oh non. Non, j'ai pas envie de voir c'est qui est blessé.
Abdul Karim Tambouli. C'est quoi, c'est mon équipe de jeunes, ça? Ah oui, c'est mon équipe de jeunes. Il va être bon, lui. Amsin Matasena, il va être bon, hein. Ouais. Inconnu, un milieu comme ça. Un milieu comme ça, tu le prends cash. Alors lui aussi, il va être bon, hein. Dès qu'il me demande d'aller dans une équipe, je le prends. Alors, blessé à entraînement. Oh putain, Kishna. Oh non. Le sauveur qui se blesse. Oh putain. Oh, pff, deux semaines. Deux semaines d'arrêt. Allez, caf. Allez, deux blessés. Boum. Alors, attends. Annulé, merci. Deschillo, on le remet à gauche, hein, quand même, parce que c'est un peu ça à la base. Deschillo, il est à gauche, Abate, il est à droite. Après, ça dépend. Peut-être que Deschillo, je vais peut-être le vendre. Ça dépend de combien il va nous rapporter. Si on arrive à le vendre à, je sais pas, 20 millions, au jour du mois, c'est qui? D'accord. Si on arrive à le vendre 20 millions, bah ouais, oui, c'est sûr qu'on va le vendre. Alors, on est quoi? On est troisième, voilà, parce que Inter a gagné son match. Mais on a toujours un point. On a toujours un point de retard sur Inter, Juventus qui n'a toujours pas joué. Pourquoi ils n'ont pas encore joué à la Juventus? Ah, ils doivent être en Ligue des Champions là, je pense. Je pense que c'est match de Ligue des Champions. Donc après, on a une semaine de repos, Naples et l'AS Roma. Deux grosses équipes, deux gros adversaires directs surtout. Donc hop, voilà, tac. Alors, on va jouer avec le maillot classique ou pas? Non, on joue comme ça. Naples, faut faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe à Naples. Parce que ils ont quand même une bonne équipe. Rami va sortir pour... Oh, que 74, Toul. Franchement, je suis content. Voilà, on regarde un peu qui on a sur le banc. Je pense que je vais pas pouvoir faire juste ce que fait pendant cette vidéo. Parce qu'en fait, voilà, c'est quand même Naples, c'est un gros adversaire. Peut-être que je le ferai jouer face à AS Roma, peut-être. Bon les amis, en tout cas, c'est parti pour le deuxième match de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Pour le second match de la vidéo, nous allons voir Naples qui cette fois accueillera donc Milan. Un match qui est un peu plus important que le match précédent puisque Naples est un des concurrents directs au Milan pour les places européennes. Surtout pour les places de la Ligue des Champions. Donc on est tombé 3ème, on a un point de retard sur Inter, Napoli et à la 5ème place, donc pour dire qu'ils sont juste derrière nous. On va voir une petite action comme ça, voilà, un petit gris-gris, Mertens, heureusement pour nous le gardien, était à la parade. Petit con que j'ai fait, j'ai perdu la balle dans ma surface de réparation, heureusement c'est pas pris de but. Menez qui va centrer, mais le gardien va être dessus. Donc à la mi-temps, 0-0, donc pour dire qu'il s'est vraiment rien passé dans ce match. Et la seconde mi-temps va bientôt commencer. Donc là, petit gris-gris de leur côté, une nouvelle fois avec des petites passes. Ils vont réussir à centrer, si je me rappelle bien. Et voilà, la reprise de volée devant le gardien. Le gardien n'est même pas sorti pour prendre la balle. À la 70e minute, on était dégoûtés. Mais là, Reus s'est réveillé. Il traverse tout le terrain et là, boum. Le petit placé pied droit juste en dessous du gardien. On arrive à égaliser à la 82e minute pour dire qu'on est vraiment très content. Et ben pour dire qu'il n'y avait rien dans ce match se finit sur un score de 1 partout. Et allez, encore un petit vol. Bon alors là, j'ai affronté la meilleure équipe du jeu, hein. Naples, ils jouent comme le Barça. Ils font tourner comme le Barça. Ils plongent comme des grosses catins. Et vas-y. C'est même pas du pressing qu'ils ont fait. On peut même plus appeler ça du pressing. Les mecs, que j'avais la balle ou pas, ils me pressaient quand même. Ils me pressaient alors que j'avais même pas la balle. Eh putain, il faut arrêter là, oh! À motiver, parce que là, je pense que l'AS Roma va faire la même chose. Oh, tu veux causer salaire, Mathieu de Chilio? On va causer salaire tous les deux, allez. Ouais, pour la première fois, tu veux causer salaire? Ouais, bon, ces petits joueurs-là, on peut les virer parce que c'est nul. Ils sont pourris. Enfin, je pense qu'ils sont pourris. Didac, tu viens d'où toi? Où es-tu, Didac? Alors, bon, on va revenir à nos petits loupons. Alors, Deschillo, il veut combien? 80 000. Ok, au calme. Alors, lui comme ça. Tu l'as important? Ok. 80 de général, tu mérites. Bon. La Juve est qualifiée pour la UEFA, donc ça veut dire, voilà. Ils sont pas champions, mais ils sont qualifiés. Ouais, cet épisode, ça va être un épisode de merde. Hein. Je suis désolé, mais ça va être un épisode de merde. En termes de classement, 74 points, bon c'est foutu, nous on est foutu là, là c'est foutu, c'est impossible de rattraper, on va essayer de au moins finir deuxième pour avoir un peu plus d'argent,
On va essayer, hein, je dis bien essayer. Bah, je pense que c'est mort, mais bon. On va juste voir combien de temps on a de repos. Donc on a une semaine, donc ça va, on est au calme. Jouer match, le 10 mai en plus. Alors, comme ceci, comme cela. Et je pense qu'on va faire jouer équipe team. Ah, plutôt mettre Johansson. Putain, il est encore blessé, Kishna, quoi. On va faire jouer Imbula. Et Von Ginkai, ils avaient fait un bon taf, donc on va les faire jouer. Rami, toujours un peu dans les vapes, donc Costa et même si c'est Roma, on va mettre la jeunesse en opposition, et voilà. Bon, les gars, je vais me calmer, et on va partir pour le dernier match de cette vidéo, et c'est tout de suite. Bonjour à tous, bonjour Franck, nous sommes ravis. Et pour le dernier match de cette vidéo, Milan accueille l'AS Roma. AS Roma qui est cette fois, cette équipe est aussi un concurrent direct. On a fait un épisode assez pourri, donc on va essayer de remonter la pente. Ils sont 5e, on est 3e, c'est la merde. Ils sont un peu plus loin que nous, mais bon, faut quand même pas la relâcher. Menez qui va avoir la première action, mais malheureusement le défenseur était pour contrer. Là, un petit LBY, mais le gardien était à la parade. Le coup franc de Pjanic. Et ben, vous savez que quand Pjanic tire les coups francs, c'est but. Voilà, 30e minute, j'ai fait une petite faute et là, je me prends un coup franc. Bon, j'ai un peu trop bougé le mur, je pense, et c'est ça qui m'a perdu. On va faire un petit centre, il se dégage mal. Imbula à la balle, mais il tire à côté. 72e minute, Reus qui frappe et Reus qui égalise. Heureusement pour nous, à la 72e minute, on peut espérer un retour. Avoir ce ralenti sur la frappe de Marco Reus qui est juste grandiose. Donc là, je fais sortir mon gardien comme un con, vous allez voir. Mais en fait, j'ai demandé à ce qu'il retourne dans ses cages, mais il n'est pas retourné. Et ben, vous savez que derrière, on s'est pris un vieux but tout pourri. Première erreur, mais ça va pas finir. Menez qui va essayer de tirer, mais malheureusement, le gardien était à la parade. Et là, on va voir la seconde erreur. Voilà, je perds la balle dans ma défense et je me prends un but juste derrière. Et donc, je vais m'arrêter là. Le score du match est un 3-1. Petite confirmation, cet épisode c'est vraiment de la merde, je ne sais même pas comment ils ont fait pour marquer. Les mecs ils tentent 6 frappes, ils encadrent 2, je sais pas comment. Begovic va te faire bien enculer, désolé de l'expression. On va voir ça, Begovic, non pas ça, transfert. Je veux juste voir Begovic. Non pas pour l'acheter, pour l'insulter, parce que normalement il est pas. Oui toi là. Ouais c'est toi. Ouais. Il est pas l'AS Roma, lui. De base, il est pas l'AS Roma. Voilà. Pour 24 millions, quand même, ils l'ont acheté. C'est enflure. Enflure d'AS Roma. Pour moi, c'est un des meilleurs gardiens. Oh, vas-y, c'est foutu. Putain. Super. Allez, clac. 3 blessés au calme. Vas-y, allez. Comme si ça suffisait pas. Des chiots, il s'est tapé un carton rouge en plus. Vas-y, allez. C'est la fête! Où est Armero? Où est Armero? Où est Armero? J'ai foutu où Armero? Putain, j'ai foutu dans... au mieux Armero. Ah ouais, j'ai oublié de faire jouer Torres maintenant. Fais chier. Casse les couilles ça, vas-y. Joueur suspendu, joueur blessé. Oui, putain, Wickham, 3 semaines. C'est foutu, c'est foutu pour sa saison là. Bon, en tout cas, on va essayer de se calmer parce que là, j'en peux plus. Des chiots accepter le contrat, c'est parfait. Mais j'en peux vraiment plus. Donc dans la prochaine vidéo, ça sera le dernier épisode de la première saison. On affrontera donc Sassuolo, Torino et Atalanta. Kishna devrait faire son retour normalement. Putain, me dis pas qu'on va se... Non. Bon, les gars, donc pour les 3 prochains matchs, on est obligé de gagner. Parce que là, voilà. On était largement deuxième au début de vidéo. Là, on est dans la merde. Et surtout qu'on risque peut-être de pas être en Ligue des Champions. Et ça, moi, je veux pas. Enfin, un petit rapport d'équipe, hein, au cas où. Au cas où, s'il y a des gens qui ont progressé. Hein. Enfin, pas du tout, mais bon. Je regarde vite fait, hein. Je passe très très vite. 87 plus 1. Voilà, Marco Reus, juste lui. On passe vite fait, voilà, blablabla, tout le monde en progression, blablabla. Tout le monde est content.
En tout cas, j'espère quand même, au cas où, que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous, c'est pas bien fait. Laissez un commentaire. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit à l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. And tschüss and peace out.